Salut les gars. Bon, comment ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le samedi matin quand le jour se lève un peu plus tôt qu'en janvier, qui fait moche. Mais qu'est-ce qu'on fait le samedi matin? On va jouer au golf. Et oui. Donc on y va. On est au Haradjardi. On va se faire 9 trous avec un parapluie sur la gueule. Et voilà, c'est cool. À tout de suite. On aime ça, non? Personne. Bon, il y a un peu trop de voiture, mais on s'en fout. On aime beaucoup. Donc, trou numéro 1, petit par 3, sans danger. Enfin, sans danger, il y a bunker quand même, mais petit par 3 classique. Je vais voir ce que va me dire la montre. Je sais pas, le départ est avancé, donc il doit faire 100 mètres à peine. Et comme on n'est pas très chaud, comme d'habitude, hein, on n'est pas très chaud, on va prendre un petit pitch, je pense. Drapeau autour du grill, là, légèrement à droite, petit pitch comme annoncé, on va voir. Et ben, j'ai fait une jolie topette, je pense que j'ai pitché le green mais je l'ai traversé. Premier coup, écoute, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Surtout qu'en vrai, aujourd'hui, je devrais être en compète, mais je me suis fait jeter de la compète parce que je suis non classé et que il y avait pas beaucoup d'inscrits. Et parmi les inscrits, il y avait que des bons. Donc le mec m'a dit que je pouvais pas faire la compète. Donc je viens tristement jouer juste un petit parcours. Je pense que je ferai une compète plus tard et sur un autre parcours parce que tant pis, y a pas. Bon, si y a que des bons tout le temps dans leur compète, c'est peut-être pas pour moi. Hein. Voilà, voilà. Bon, nous, on va voir ce qu'on peut faire là. Moi je prends. Bon, moi j'accepte ce petit bogey parce que l'approche n'était pas facile. Donc, je suis très content. Voilà. Je suis très content. Niveau parcours, comme le parcours est plutôt petit, j'ai pas pris de driver. J'ai même pas pris de bois. Parce que les 3 par 4 sont assez serrés et pas très longs. Donc on va voir ce qu'on peut faire sans driver. Voilà. Oh merde. Trou numéro 2 du coup par 3, la montre affiche 105 mètres. Ben voilà ce qu'on aime voir. Impeccable sur le green. Peut-être un début de green quand même un peu court, un peu à droite. Mais c'est bien, moi je prends tous les jours de la semaine, de l'année. Et oui, c'est ça qu'on veut, pin high. Pin high, mec. Là, on va préparer notre petit pitch. Je sais même pas où je vais pitcher. Je suis là. C'est parti. Un très mauvais premier putt et du coup c'est bugué. Bon, c'est pas grave, c'était quand même pas mal. Alors, trou numéro 3, 254 mètres d'ici. Le danger c'est ça en fait, parce que là c'est une zone où on ne trouve pas les balles quoi. Je vais essayer de m'aligner là, je sais pas, avec un tir 7, histoire de m'empocher un peu, mais voilà, pas m'emmerder quoi. C'est parti. J'ai un peu gratouillé mon fer 7 qui est parti du coup, qui est parti un peu en push, mais droite au moins. Ce qui va être pénible, c'est que il y a un arbre, j'espère qu'il ne nous gênera pas. Mais en vrai, sur un parquet comme ça, c'est pas grave.
C'est pas grave. Je vais voir combien de distance il me restera, mais... Enfin, le poteau des 135 est derrière la balle, donc... On l'a dépassé. Ça devrait être jouable. Après, choper le green en régule ou pas... Merde, putain, pète les gueules. À la limite, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais... C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire... au pire on fait bogey. Donc vous voyez là, je sais pas si vous voyez déjà ma balle, elle est un peu sous l'arbre. Le fameux poteau des 135 est là. Je me suis au moins ouvert le petit dogleg. Qu'est-ce que ça gadouille, vache. Et vous voyez, je suis là, on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ça. Yes! Réjouir les gars, les petites choses. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, toi, mon ami? Hein? J'ai pu enlever mon ampère dégueu. On est sur le green. Voilà, pour une fois, je joue bien une balle que j'ai au-dessus de mes pieds. J'ai un peu raccourci le grip. Et ben voilà, on est en régule, on est un peu à droite, mais on est en green, sur le green, pardon. C'est bueno! Ah ouais? Allez. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Des birdies, des parts. Allez, oui, des birdies, des parts. Mais bon, déjà, on va essayer de faire deux putts là, pas trois putts comme un cochon. Et voilà! Allez, go! Satisfait de mes putts, de ces deux putts là. Voilà, petit par, je suis à plus de. Allez, on va essayer de faire quelque chose là, c'est cool. Ça revient. Ça revient. Là, lui aussi, il a l'air content d'exister là. On va essayer de pas le dégommer. Hein. J'ai à peu près 120 mètres, avec un vent de face un peu droite-gauche. Le green est peu profond donc je vais. Faire ce que je peux. Je suis un peu un idiot parce qu'avec le vent de face j'ai voulu jouer faire 8 et je suis court du coup. Alors, on est sur le 5, par 3, 85 mètres en gros, 87. Je vais prendre un sandwich comme j'ai le vent dans le dos. C'est court, hein, merde. Donc, ce qu'on appelle un mauvais choix de club, plus vu l'humidité. Je pense que ma balle est pluguée. J'espère pas. On va bien voir. C'est dommage. Oh. Bon. On est 20 mètres quoi. Oh là là. Je suis pluguée. Hop. Je peux la dépluguer. Là, ça m'embête là, c'est putt 1 mètre, 1 mètre et quelques, là je suis pas très précis. Bon, ça reste correct, hein, je suis à plus 4. Allez, 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 faut s'accrocher là, c'est là qu'il faut pas lâcher, tu vois. Bon. Voilà, niveau swing. Vu comme j'étais en perte d'équilibre à la fin du swing, bon, pas terrible. Cours encore, cours.
plus j'avais pas vu, tu vois, mais le drapeau il est en fond green. Bon bah je vais la faire rouler hein. C'est parti. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a près de 230, un petit par 4. Je sais pas, je vais attaquer l'hybride, je pense. On va voir ce qu'on va faire. Je dis toujours ça. On y va, quoi, c'est tout. Bon les gars, je suis très content de cet hybride parce que ici j'ai souvent moissonné, comme l'autre là, j'ai souvent moissonné les balles avant quand je le jouais il y a quelques mois. Et là on est en plein milieu de piste, on n'a pas fait énorme de distance, mais comme la dernière fois là à Saint-Aubin, on est en piste d'une sur le fairway et on va pouvoir attaquer le green. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je sais, des birdies, mais bon, ça, j'y travaille. Allez, à toutes. Bruh. Allez, 85 mètres au drapeau. Allez, allez. Mais il recommence à flotter un peu salement là, c'est un peu chiant. Mais ça ne gâche pas le plaisir de la partie. Surtout que je suis de nouveau sur le green. J'essaie de faire un truc à l'arrache, de planquer mon téléphone sous un parapluie, c'est n'importe quoi. Mais en putt pour birdie. Avec toute la volonté que j'y mets, honnêtement, ça mérite bien un abonnement, non? Mais on est ravis d'être là, on est ravis. Moi, je ne changerai pas ma place contre celle de Renaud Poupard qui vlogue en Nouvelle-Zélande. Ah, peut-être que si, quand même. Peut-être que si, quand même. Mais bon, on est à plus 6. Ça reste très correct. Bruh. Un énorme slice des familles. Du coup je suis sur le fairway d'à côté et je sais même pas si j'ai moyen d'attaquer le green. Je vais vous montrer ça. Donc, je suis là, le drapeau est un peu dans l'axe du banc, là un peu à droite du banc, derrière des arbres. Mon fairway normalement il est là, un petit slice comme on aime, ma spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Bonne question. On a 110 mètres au drapeau, on va prendre un pitch. J'ai pas mal de chance parce que j'ai réussi à faire passer la balle et je me suis pas sur le green mais pas loin. Franchement c'est pas mal.
Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est des bijoux.